bien, moi j'ai fait plusieurs séries de calligraphies sur ces poèmes qui évoquent Bagdad, l'Irak. Les couleurs étaient violentes, le geste très dur. Ça reflète la douleur que j'ai vécue toutes ces périodes-là. Je dis aujourd'hui, il ne faut plus rester dans les douleurs, il faut sortir un peu et je vais me projeter sur le futur. Je vais calligraphier les mêmes poèmes en bleu pour évoquer le printemps que nous vivons aujourd'hui. أضعتني العراق ثدي هواها وغزتني بطرفها بغداد أبو الحسن مطرف. Cette carte postale envoie la lionne blessée qui est à l'origine et se trouve dans le palais de Ninive au nord de l'Irak. Et la plupart des artistes irakiens le considèrent comme représente l'Irak parce que c'est une terre de, souvent de douleur. Et au début de la guerre, j'ai pris cette carte et je me suis inspiré à faire la lionne blessée en poème d'un poète arabe. Et donc, je fais ça. Et puis vers la fin, on voit les têtes complètement déformées, on ne voit plus la lionne qui est ici très tendre, comme si elle dit « Pourquoi vous me faites ça ?» Il y a des flèches qui tombent sur le corps de tous les côtés.